sion bonio Jésus ro pardonou côté a fini pour yo pote mse Jésus ro pardonou zana Hosanna, Hosanna, Maranatha, Jésus, sauve-moi, venir, pardonne-nous. Si grand maître la même, qu'a vite porté m'secours. Jésus, pardonne-nous, et même qui te fait ni ciel là, ni terre. Jésus, pardonne-nous, Hosanna, 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 Maranatha. Jésus, sauve-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Hosanna, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Au seuil de cette messe, reconnaissons nos pécheurs, demandons à Dieu de nous prendre en pitié. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe.
Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Dans le repaire des chacals, les broussailles deviendront des roseaux et des joncs. Il y aura là une chaussée, on l'appellera voie sacrée. L'homme impur ne passera pas et les insensés ne viendront pas s'y égarer. On n'y rencontrera pas de lion, aucune bête féroce n'y surgira, seuls les rachetés y marcheront. Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur, ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Un bonheur sans fin illuminera leur visage, allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuiront. Parole du Seigneur. Nous méditons ensemble le psaume 84 et après chaque strophe nous disons « Voici notre Dieu qui vient nous sauver. » Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. À présent, qu'il vous plaise de vous mettre debout pour l'acclamation. Alléluia! Il va venir le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule,
Ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il leur dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leur raisonnement, leur répondit, « Pourquoi tenir ces raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. » À l'instant même, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. Ce matin, nous voyons où nous allons voir des choses extraordinaires. Hors de l'ordinaire, en dehors de l'ordinaire. Et grâce à qui, chers et frères bien-aimés? C'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile commence par cette phrase, « Un jour que Jésus enseignait. » Et faisons avec ce mot. Nous, souvent, Jésus, dans toute action, c'est enseigner, l'avant-enseigner, la parler. Ça fait nous voir comment enseignement joue un rôle fondamental dans la vie, non? Enseignement, c'est une grande fonction de l'Église. L'Église a les trois grandes fonctions qui établit, qui étend jusqu'à évêque. Première fonction, c'est fonction d'enseignement. Deuxième, c'est la fonction de sanctification. Et troisième, c'est la fonction de gouvernement. Enseigner, sanctifier, gouverner. Enseigner, sanctifier, gouverner. Et Jésus il a un rôle important à l'enseignement parce que c'est enseignement qui permet nous connaître qui est Jésus. C'est enseignement qui permet nous aimer faire expérience avec Jésus. Et enseignement, il est capable dans livre, nous capable tendre le tout, ou capable tendre monde qui a parlé de Jésus. Et Jésus il dit bien que peuple moyen l'a mouri parce que il n'y a pas de connaissance de moi. Peuple moyen l'a mouru par manque de connaissance. Donc, connaissance qu'on a tiré, naître avec, ou connaît Jésus, l'on connaît qui est Jésus au fond seul avec Jésus, ou collé avec Jésus. Et ce qu'on est qui est lié, donc ça va permettre mieux vivre avec lui. Donc, enseignement, faire avec ce mieux, chercher connaît qui est Jésus par expérience, par monde autant de cap parler par témoignage ou bien tout par lecture de la parole de Dieu. Donc enseignement nous pour nous un élément important ouais, pour nous quitter nous former et c'est peut-être ça tout n'a demandé bon Dieu grâce et pour l'Esprit Saint accompagner nous pour le capable ouvrir intelligence pour nous ouais qu'il est Jésus. Et Jésus ça forme avec ce mieux qui dans fonction d'enseignement lui mais l'a guéri tout. L'a guéri. Ça veut dire l'a volé au secours de ceux-là qui sont dans la peine, de ceux-là qui sont dans un moment difficile. Non seulement l'a guéri, l'a enseigné, mais l'a pris soin, l'a baillé manger, l'a baillé boire. Autrement dit, Jésus, c'est ceux-là qui t'a remis nous en forme dans chaque compartiment, nous, dans chaque coin existence. Nous. Tout comme nous remis dans chaque périphérie existentielle. Nous. Jésus, il t'a remis nous bien en tête. Nous.
Jésus t'amène nous bien dans membre nous. Il t'amène bien nous dans corps nous. Il t'amène nous bien par dehors tant que pas en dedans. Ça veut dire que Jésus est intéressé avec nous même. Jésus il pas quitté aucune dimension dans nous pas passé. Jésus pas quitté aucune dimension dans nous sauter. Donc il veut pour l'homme, l'homme total, l'homme in globo, il est en pleine santé, il est en pleine forme. Et c'est peut-être ça nous faire avec ce mieux, lui entreprendre toute bagaille ça yo, l'a enseigner nous, l'a soigner nous, l'a guérir nous, l'a ba nous manger, l'a ba nous boire et l'a ba nous ça nous plus besoin dans la vie nous, et ben lumière pour nous marcher sur route là, pour nous arriver jusqu'au côté lié. Monsieur ça yo qui a marché et il entendait parler de Jésus. Mais il y a un monsieur qui est paralysé. Il est paralysé, nous connaissons un monde qui n'est pas capable d'utiliser tête li en un. C'est un monde qui est dépendant. C'est un monde qui a besoin de monde qui peut faire presque tout bagaille pour lui. Même ça qui est plus intime à lui-même. Et donc, monde ça les senti li réduit. Monde ça les senti li marginalisé quelquefois. Et que les senti li pas réaliser vocation tant qu'au monde. Et Jésus vini pour lui restaurer l'homme. Jésus vini pour lui banou aimer dignité nous. Jésus vini pour lui faire nous vivre et que pour nous sentir nous vivre tant qu'au petit li, tant qu'au monde. Monsieur ça qui pas permettre tête li, qui pas utile tête li rien. Et nous va saisir matin, il va joindre guérison. Il va joindre guérison parce que tout simplement, il a la foi dans bon Dieu. Mais tout on nous garder aspect communautaire là. C'est pas lui-même qui allait pour lui présenter devant Jésus, mais il se faisait aider par les autres. C'est l'autre qui prend. L'autre prend pour mener à Jésus, mais il arrive, il y a tellement de monde qui besoin de Jésus. Il y a une foule immense qui a suivi Jésus. Un peu de monde qui a cherché Jésus parce qu'il y a besoin de Jésus. Et que route là, passage là, il était obstrué, passage là, il était bouché. Mais il dit devant une réalité comme ça, qui ça pour nous faire? Parce que nous besoin de Jésus, nous besoin de rencontrer avec lui, mais il y a un monde qui barre nous. Frère avec ce mieux. Pas un qui bon, qui belle, qui grand ou fait pour pas jeune difficulté, pour pas jeune obstacle la donne. Et c'est peut-être ça, dans tout ça n'a fait qui bon yo, qui grand yo, qui belle yo, c'est pour nous pas faiblir devant difficulté yo. C'est pour nous pas baisser les bras devant difficulté yo. Difficulté yo nous fait pour nous surmonter yo, parfois nous contourner yo. Parfois tout nous sauter. Difficulté yo, mais c'est comme si c'est élément qui pral stimuler la joie nous après nous fin river en l'air dans réussite là, dans succès là. Monsieur ça ensemble avec l'autre monde qui t'est porté lio, mais il pas capable passer parce que t'es grand pile monde. Qui ça yo fait? Yo monté sous dokay là. Yo monté sous dokay là. Et c'est peut-être ça. Nous, on fait mal au travail. On fait l'esprit au travail. On fait intelligence au travail. Nous, même dans mon Dieu, nous besoin ça pour avec ce mieux. Nous besoin pour nous créer dans mon Dieu. Nous besoin pour nous créer des occasions, des opportunités avec Christ, avec Jésus. Nous monter en l'air, c'est quelque chose presque inimaginable. Pas de monde qui est capable de penser que monsieur est capable de poser une action comme ça. Parce que ils ont besoin seul bagaille, ce désir fort, intense, qui brûlait en eux. Désirant, c'était pour y rencontrer Jésus. Y a besoin de rencontrer Jésus. Y a besoin de faire monsieur arriver devant Jésus. Qui désire, qu'a boule en haut. Qui envie, qu'a boule en haut. Qui ça, qu'a motivé intérieurement. Oui, y a besoin de bagaille. Et motif la fin avec son mieux, c'est pas un motif qu'a l'humain éteint, captain éteint. Son motif qui grand, qui fort. Y a un motif qui même contaminant, qui capable de contaminer l'autre. Yo. Yo monté en l'air sous dou kaila kaila pas pour yo kaila pas pour famille yo mais on seul bagay yo connaît depuis mettre là et mais toute bagay yo c'est bagay qui a passé yo et mettre là si yo connaît dans li pas rien mettre là pas capable faire yo monté yo décloué certainement pendant y a décloué gien bruit qui a fait mais tellement te gien monde yo pas tellement rendu compte de ça yo décloué yo retiré feitol et dans intelligence yo maré monsieur a et puis yo filé le descend devant Jésus et Jésus les garder ça Jésus ouais moun sa yo gen la foi moun sa yo besoin réellement vrai et moun k'ap chercher Jésus yo faire avec son yo moun ki besoin Jésus yo Jésus ki te joine par moun sa yo Jésus ki te moun sa yo joine li Jésus ki te moun sa yo toucher Jésus ki te moun sa yo faire expérience avec li en pile nan moun ki te devant Jésus peut-être yo te capable joine guérison monsieur sa joine mais avec la foi avec
stimulation, avec désir ça, eh bien, il arrive, joindre ça à chercher. Est-ce que vous croyez, en réalité, si vous cherchez, on y a un bagage avec tout cœur, non mais Jésus, vous avez joindre lui. Est-ce que vous croyez, en réalité, si ça vous cherchez, non mais Jésus, hein, c'est son vle, avec toute vie, avec toute tripe, avec toute entraille, est-ce que vous croyez, réellement, vous avez joindre lui? Preuve la grand matin, hein? Et l'évangile l'a fini pour le dire nous, eh bien, il y a des bagages extraordinaires. Et ça nous a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras les merveilles de Dieu. Si tu crois, tu verras l'omnipotence de Dieu. Si tu crois réellement. Et monsieur, ça, il y a des croyants. Et il y a des gens, bon Dieu, ça, son bon Dieu extraordinaire. Bon Dieu, ça, son bon Dieu qui est merveilleux. Il y a un bon Dieu qui est grand. Il suffit seulement de croire. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1er, il définit la foi comme à la fois assurance et espérance. Assurance et espérance. Assurance dans les choses présentes et espérance dans celles et démonstration dans celles qu'on espère. Mais assurance, espérance, c'est ça que fait la foi. Je crois. Dans un sac là devant vous, et mais Jésus qui a fait un bagage pour vous. Et puis la foi lui projette nous tout vers l'espérance. Faut avec ce mieux. Monsieur Sao, tu crois dans Jésus. Et Jésus fait merveille pour vous. Tes péchés sont pardonnés. Ça pas rien. Mais Jésus, l'a marché graduellement avec vous. Jésus voulait dire, et mais si me dit péché le pardonner n'a pas l'empile, moi faire nous un plus gros bagage toujours. Moi faire nous c'est mettre là c'est moi chef là. Il dit Jésus l'a blasphémé, ça veut dire l'a parlé en l'air. L'a prend prose de c'est bon Dieu. Et là même Jésus montré que c'est bon Dieu lié en réalité. Pendant il a dit que c'est bon Dieu seul qui ne doit pas donner péché, et mais puisque Jésus pardonne péché, et mais Jésus fait ouais même c'est bon Dieu lié devant yo dans figure, Jésus fait ouais ça. Hein, parce qu'il me dit ça n'a pas l'empile, on va faire nous bagaille qui pire toujours. Ça faut faire avec son mieux. Pas inquiéto de monde qui ouais tes affaires marcher. Pas inquiéto de monde qui ouais petit passage mon Dieu a fait pour vous. Bon Dieu qui pour le passer puis vous avant toujours. Je dis à là ouais c'est petit jet ou prend petit hélicoptère prend on l'est c'est avion en l'est net petit avion nous on qui perdu dans nuage marron non yo. C'est on apprend. Et parce que Jésus dit en petit ça nous là n'a pas l'empile, on va faire nous puis gros bagaille toujours. Moi on va faire nous fermer bouche nous. Et c'est ça nous lit dans psaume 23. Ouais, l'a dresser une table pour nous en face adversaire nous yo. En face monde qui a parlé nous mal nous. En face monde qui pas veut ouais nous yo parce que sous quoi dans bon Dieu après merveille et il dit pour ça seulement n'a parlé et même va faire nous que c'est moi même qui Jésus c'est moi qui ai gros l'estomac c'est moi qui ai gros bibite c'est moi qui ai gros entrailles et qui ça le dit il dit comme ça pour que vous sachiez que le fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés je te l'ordonne il dit mes paroles là à mes causes là il aurait dit mais maman Pemba mais Jésus pour la maman Pemba il dit lève-toi. Prends ta civière et retourne chez toi. Parce que tout le monde était bouche bée. Tout nèg tout docteur t'a pas l'empile parce que Jésus t'a dit me pardonner péché, nèg était bouche ouverte. Il y a pas l'empile. Il t'a pas l'empile, Jésus dit soit pas l'empile, m'a forcé moi-même qui Jésus a. M'a forcé moi-même qui bon Dieu. Oh, Jésus pas rien fait ça. Jésus pas rien fait ouais. Donc si monsieur ça arrive non un moment que Jésus a dit m'a forcé moi bon Dieu, ça veut dire yo touché Jésus réellement. Ouais. Lève-toi. Monsieur a levé. On est qui était paralysé. Quand il était molle, pas de la vie dans même lieu. Jésus dit, lève-toi. Ça peut qu'on ait. Prends ta civière. Prends ton brancard. Et marche. Ouais. Levé. Monsieur a levé. Prends vieux natou. Prends vieux brancard. Parce que monsieur a son molle. Son mort vivant le dé. Imaginez on y a porté sous brancard. Et mais son mort. Son mort à demi, son mort vivant, son mort ambulant. Eh bien, Jésus dit, gardez non. Levez, prends bagaille, marchez. Et qui bon Jésus dit ça? Devant yo. Qui bon Jésus dit ça? En face yo. Qui bon Jésus dit ça? Devant figure yo. Ça fait ça, c'est la manifestation de la foi de ces hommes-là et qui a poussé Jésus à agir en leur faveur. Yo, monsieur a levé, il marchait, il prend un brancard et il marchait. À l'instant même, celui-ci se leva et prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu
remplis de crainte, il disait, aujourd'hui nous avons vu des choses extraordinaires. Pour avec ce mieux, monde qui croit dans bon Dieu, c'est chaque jour après merveille. Monde qui croit dans bon Dieu, c'est chaque jour après bagay bouche pas qu'à parler. Bagay, y a pas jamais de mots pour exprimer. Il suffit seulement de croire en Dieu. Lorsqu'on croit dans bon Dieu, pour avec ce mieux, pas rien qui est possible dans la vie. Lorsqu'on croit dans bon Dieu, pas rien qui est trop pour bon Dieu. Lorsqu'on croit dans bon Dieu, frère avec ce mieux, mais la vie assurée parce que Jésus il est capable de faire toute bagaille pour vous. Pas de rien qui est trop pour mon Dieu. Pas de rien, mon Dieu, pas capable de faire. Aujourd'hui, nous voyons des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons voir des choses extraordinaires. Nous demandons, mon Dieu, grâce dans la journée, ça, et même dans chaque minute, dans chaque heure, dans l'existence, dans la vie, nous. C'est des bagailles extraordinaires seulement pour nous. C'est des bagailles qui peuvent faire que nous contents seulement pour nous. Si vous demandez, mon Dieu, grâce, faveur, pour la vie, nous, c'est la vie extraordinaire. Même l'on a vivre dans l'ordinaire. Si vous demandez, mon Dieu, faveur, chaque jour, pour la vie, nous, l'essayons, boule la joie, boule que content. Pour monde qui vivent bon côté, nous. Pour monde qui voulait bien pour nous. Tant que pour monde qui souhaitait mal pour nous. Yon seul bagage nous connaît. Fais, mon Dieu, confiance. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Reine du monde, vers toi s'élève nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Ô Marie, conçue sans péché, objet de prédilection du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, modèle de la vie de foi. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, mère de la douce espérance. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, mère du bel amour. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, aurore sans nuage du plus beau des jours. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, nouvelle Ève promise à nos pères pour écraser la tête de l'antique serpent. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, joie d'Israël, dont le nom est si plein de douceur et de bénédiction. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, lys brillant de blancheur au milieu des épines. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, véritable chandelier d'or, merveilleusement orné des sept dons de l'Esprit Saint. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, mère de Jésus, toujours vierge. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, gloire de l'Église. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, figurée parmi les femmes illustres de l'ancienne loi. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, annoncée par les prophètes. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, bénie entre toutes les femmes. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, reine des anges et des hommes.
Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, terreur des démons. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, avocate des pécheurs. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, appui des faibles. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, trésor des parfaits. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, dont le cœur fut si ressemblant à celui de Jésus. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, dépositaire des grâces que vous répandez à pleine main sur tous. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, consolation des affligés et des mourants. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, protectrice spéciale de tous ceux qui vous invoquent. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, mère la plus tendre pour tous vos enfants. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, transpercée du glaive de douleur au pied de la croix. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, porte du séjour de la gloire et des délices éternels. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, attirez vos enfants par l'odeur de vos vertus. Priez pour nous qui avons recours à vous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus-Christ. Écoutez-nous. Jésus-Christ. Exaucez-nous. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui ordonnez à votre Église de célébrer la gloire de l'Immaculée Conception de la Mère de votre Divin Fils, faites, nous vous en supplions, que ceux qui l'honorent pieusement sur la terre jouissent un jour dans le ciel de l'éternelle béatitude. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Voici, Seigneur Jésus, toi qui te donnes sans mesure. Voici, je t'offre tous mes travaux. Je t'aime, mon Seigneur. Voici le pain. Qu'il devienne ton corps. Bénis mon âme et mon esprit, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus, toi qui te donne sans mesure. Voici, je t'offre tous mes travaux. Je t'aime, mon Seigneur. Voici le vin, qu'il devienne ton sang. Me voici, Seigneur Jésus, toi qui te donnes sans mesure. Voici, je t'offre tous mes travaux. Je t'aime, mon Seigneur.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donne maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, tu es seul. Éternel est ton amour, éternel est ton amour, tu es saint, éternel est ton amour, Seigneur Dieu de l'univers, partout l'on chante ta gloire, Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Éternel est ton amour. Éternel est ton amour. Tu es saint. Éternel est ton amour. Béni soit celui qui vient en ton nom, ô Seigneur Dieu. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Éternel est ton amour. Éternel est ton amour. Tu es saint. Éternel est ton amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons sur tous ceux-là qui se recommandent à nos humbles prières, sur nos bienfaiteurs et sur nos bienfaitrices, sur tous les amis de la paroisse, sur chacun et sur chacune de nous qui participent à cette messe, sur ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance, sur nos frères et sur nos sœurs qui sont en communion de foi à travers les réseaux sociaux, particulièrement sur ceux et sur celles qui prient avec nous à travers RTA. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, comme ces hommes-là, comme ces compagnons qui ont manifesté leur foi dans le Christ Jésus, comme eux, manifestons notre foi et disons avec cette même foi, cette prière que le Christ Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Pi
nous seul papa nous y ping en désaccord. Si non mais mon Dieu à nous croit, ping en désaccord. Nous tous ces gouvernements, mon Dieu n'a pas donné, ping en désaccord. Non même pain en manger, non même divin en boire. Tout ça voulait dire nous, c'est frère, non pas doué. Parmi nous, frères, non pas doués, que des accords. Parmi nous, frères, Jésus, c'est grand frère, non ping en désaccord. Lui-même qui t'est mouru pour sauver nous, ping en désaccord. Non, même paix en manger, non, même divin en boire. Tout ça voulait dire nous, c'est frère, non pas doué, que des accords. Parmi nous, frère, pas doué, que des accords, parmi nous, frère. Non, même pain en manger, non, même divin en boire. Tout ça voulait dire nous, c'est frère. Non, pas doué, que des accords, parmi nous. Frère, non pas doué, que des accords, parmi nous, frère.
Bénissons ensemble le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Neuvaine à l'Immaculée. À nous disposer, nous, pour nous faire prier neuvaine, nous faire avec ce mieux. Et c'est dans la prière, ça, tout, nous demandons, bon Dieu, grâce. Ça nous a remis les faits pour nous. Médiatrice de toute grâce, nous trouvons refuge et protection auprès de votre cœur immaculé, car vous êtes notre mère. Accordez-nous de savoir offrir chaque jour notre vie pour le salut des pécheurs. Que votre amour maternel touche les cœurs endurcis par le péché, pour que tous les hommes, sauvés par le sang de votre Fils versé sur la croix, trouve le chemin de l'amour, de la pénitence et de la réconciliation avec Dieu et avec leurs frères. Fais que la paix, l'amour et la réconciliation règnent dans notre pays et dans tous les cœurs. Fais que nous obtenions de ton Fils cette grâce. En nom de mon Dieu, grâce, notre remède l'y accompli dans la vie, non? Bien mon c'est grâce guérison, bien mon c'est grâce délivrance, bien mon c'est grâce les besoins pour mon Dieu traverser avec lui, pour mon Dieu dire un mot pour lui. Même Jean les fait monsieur ça qui était sous brancard grâce par là, nous même donnons ces petites lui et nos ces frères Jésus-Christ, nos ces sœurs Jésus-Christ, il a fait nos grâces, il a fait nos grâces. Les cafés Noé qui sont son bon Dieu extraordinaire. Alors, nous pourrons chanter tous ensemble, un d'un seul cœur, le triomphe de votre maternelle miséricorde. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame d'Altagrâce. Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Tous les saints, tous les anges du ciel, intercédez pour nous. Joyeux anniversaire à Marie-Thérèse Souverain, Carlos Exantus, Marie-Saint-Elia Décimus, à Tara Stéphanie Jérôme, Réginal Camille Berouet, Cadet Girlaine, Marie-Guillaume, Jean-Edner Émile, à Madame Prudent Bertrand, ingénieur Fritz Joseph, Medina Christiane, Vanessa Jean, John Pierre, joyeux anniversaire de mariage à Monsieur et Madame Yves Mackens, Louis-Jacques et Marie-Gladys Désir. À tous ceux-là qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie, nous leur disons, nous leur souhaitons joyeux, heureux et béni anniversaire. C'est pour nous tous et pour nous chaque dans la vie, nous bon Dieu fait Noël. Qui j'en son bon Dieu extraordinaire, qui j'en son bon Dieu qui est capable de faire toute bagaille, qui j'en son bon Dieu en un pas trop, ni trop gros pour lui. Moi, c'était nous tous et nous chaque, passez une bonne semaine, bonne journée, qu'aimez femme dans bon Dieu, par la guerre. Merci, mon Père, pareil. Merci.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prétend nous grand mère qui le narouait lumière paraît la prétend nous. La prétend nous grand mère qui le narouait lumière paraît la prétend nous. Yo dit nous concert. Nous pas bien en tête, nous pas bien en tête. Nous dit yo concert, nous dit yo concert. Nous consignes abdonnes, la prétendons. La prétendons, grand maître, qui le narouait lumière paraît, la prétendons. La prétendons, grand maître, qui le narouait lumière paraît, la prétendons.